s'il te plaît. J'étais dans les tribunes. J'avais 17 ans. Je viens toujours de rentrer à l'UNICEF. Je l'ai regardé, j'étais à la maison. J'avais été blessé, j'avais fait une saison blanche. Donc j'avais vraiment hâte de regarder ce championnat, surtout le 100 mètres. Et j'ai eu un beau spectacle. Je tenais absolument à voir cette course, ça reste ma course phare. J'étais dans les tribunes à ce moment-là et en fait, j'ai vu en direct son exploit. C'est le silence pesant avant la course. Avant Marc Préfeu partait, on sent qu'il est dans la course. C'est vraiment la folie dans les tribunes. C'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de sensations, c'est énormément de choses. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est regarder direct le chrono et puis qu'on va 9,58. Incroyable. Il casse les barrières d'une façon tellement facile. Quand on voit ça, on peut que être bluffé. À la fois, j'ai envie d'avoir une photo avec lui, un autographe, et puis à la fois, il y a le respect des athlètes et je me dis, c'est quand même un concurrent, il faut se voir ça. Moi, je l'ai plus vu pendant le relais. Il était couloir 6, je suis au couloir 8. Il est venu me voir, il m'a check, il m'a dit good luck. Alors que je sais pas, il peut voir d'autres athlètes et il est venu me voir. Donc j'étais quand même content.